La mine Selva, si c'est pas Selva. Exactement, c'est le Cerro Rico en espagnol. L'autre on dit que si c'est le visage d'un indien, mais c'est la souris ironique d'un espagnol. Ah. Donc mais on ne on sait pas vraiment le, mais c'est le quoi. Le raisin c'est quand même particulier. Exactement, exactement. On peut dire que c'est le Dubacus, mais il n'y a pas un certitude. On voit ici toute l'histoire de Potosí. En fait, c'est un mélange entre l'histoire et le jeune. On va voir le mélange de deux cultures. Le mélange de la religion catholique qui est introduite par les Espagnols et la religion indigène dans la partie inférieure. La religion catholique représentée par Père, Fils, l'Esprit Saint qui couronne la Vierge Marie incarnée dans la montagne et le Cerro Rico de Potosí. Et on voit le Dieu Inca, la Pachamama, la Mère Terre, que les Incas les représentaient dans les montagnes de forme conique, les Incas avaient aussi comme déité le soleil Inti et la lune Quilla. Voyez quelques autres. La ville la plus riche du monde, parce que c'était la richesse qu'il y avait à l'époque ici, et la ville la plus peuplée du monde. 160 000 habitants, 17e siècle, il y avait plus d'habitants ici, à Potosí, qu'à Paris ou à Londres à l'époque. Oh, dans le nord, plus dans le nord. Là, ils font la promotion du parc. Tout à fait, mais pour avoir accès à l'endroit, quelquefois tortueux. L'explication, mes amis, on fait des rues comme ça et trois tortueux. Donc, le chito va en dejar sus mochilas.
cette voleuse? Oui. Mais ça veut dire que vous comprenez très bien l'espagnol. Une ville, une rue effectivement de l'époque coloniale, où à l'époque se sont passés des carrosses par ici, vous voyez, des carrosses, et des familles d'émigrés. Hein? On va dire que le centre-ville. Está tu amigo adelante de vos, Martín. Tu sí. Amigo Don Chito. Ya. Yeah. Hola, monito. La principale. Voilà. Donc, ce sont en fait des petits magasins. Rouges, noirs, des casques, des vins, des cafés, des coca, tuyaux, il y a des casques, bêtes, pioches, gantes. Il y a tous les instruments de travail pour les miner. Il n'y a rien. La montagne que vous voyez en face est en 36 coopératives. En l'époque, en fait, on était des anciens minières qui sont devenus une espèce de plateau. Je vous explique comment ça se passe. Un ratito aquí, don Chito, por favor. En maté, en maté. Délicieux. Délicieux. Oui. Bon, il faut dire oui. Oui, oui, oui. Oui. Très bien, je suis content. Oui, voilà. La fille de coca, déjà, c'est la meilleure chose naturelle que je vous puisse conseiller pour l'altitude. Mais les mineurs ne l'utilisent pas pour l'altitude, ils sont habitués à l'altitude. Donc pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent alors? Parce que mes amis, ça coupe la fatigue, le sommeil, les faim. Donc c'est plus facile comme ça son travail à l'intérieur de la mine. Les femmes aussi. Les femmes n'ont pas le droit de travailler à l'intérieur de la mine. Les femmes qui travaillent, travaillent à l'extérieur, pas à l'intérieur. Voilà pourquoi on va voir des boules comme ça. 200. Exactement. Ils chiquent pour quelques secondes et après on les laisse entre les dents et les joues. On va avoir un visage déformé. Lejía. Mais c'est quoi la lejía? La base de tout ça, mes amis, de tout ça, de cette petite caillou que vous voyez ici, la base de tout ça, c'est la cendre de la racine de la quinoa. Mélangé avec la cendre des bananes, cendre des patates douces, cendre d'anis, cendre des pommes de terre, plus un petit morceau de ça, bien mélangé, ça fait profiter de l'alcaloïde que contient la feuille de coca. Voilà à quoi est-ce que ça sert. Après, bien les piltunchos. Les piltunchos, mes amis, que c'est les cigarettes des mineurs. Regardez, c'est voilà, tabac noir à l'intérieur, mélangé avec un pot d'anis et des coca. Regardez, c'est sans filtre, papier de riz, whisky bolivien. Whisky bolivien. Alcool potable, bon goût, 96% de purée. Il est délicieux, ça soigne tout, je vous assure qu'il est très bon, on a vu tout, voilà, on est plus content après. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Il les voit les premiers vendredis et les derniers vendredis de chaque mois. Pourquoi les vendredis? Les vendredis c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est incroyable et c'est étonnant, partie de la visite de la mine, c'est de visiter une divinité minière, un dieu minière. Ce qui est intéressant à dire, c'est que la divinité que je vais vous montrer, c'est partie de la visite, ça a été imposé à l'époque de la colonie pour les Espagnols. Ce n'est pas une divinité indienne, que maintenant on l'appelle Tio. Et ce n'est pas un autre personnage, le Tio, qu'un diable catholique. C'est pas autre chose. Mais si vous me dites, mais les mineurs croient vraiment en lui? Oui, absolument, absolument. Mais vous me dites, mais les mineurs connaissent les origines de la divinité? Oui, on sait qu'elle a été imposée par les Espagnols, mais c'est la divinité qui maintenant protège aux mineurs à l'intérieur. Ça a été étonnant, ça a été étonnant tout ça. Et laisse-moi vous montrer maintenant. Exactement, c'est le chocolat minier. Laisse-moi vous montrer s'il vous plaît, c'est la dynamite. Dynabol, dynamite fait en Bolivie. Yeah. Regardez, c'est ça. C'est une dynamite, effectivement. Il faut voir la dynamite ici, mes amis, comme un instrument de travail. Parce que c'est ça pour les mineurs. Étonnant, intéressant à vous dire, et ça, c'est quelque chose qui est fou pour moi. Vous me dites, mais tout le monde peut acheter la dynamite ici? Oui. Vous-même, vous pouvez acheter la dynamite sans besoin.
Je vais vous montrer comment est-ce qu'on prépare la dynamite. Et après de ça, vous verrez que vous-même, vous pouvez préparer une dynamite. C'est tellement facile. 1 minute. 1 minute 30. 2 minutes et quelques secondes. Une minute 20. La mèche est longue. Normalement, les détonateurs entrent tellement facile. C'est comme la pâte modélée. Une fois qu'il est bien préparé, la boule comme ça, on utilise ça. Cette rose, c'est les nitrates d'ammonium. Pour avoir une idée plus claire de ce que c'est ça. C'est ça qui a explosé à Toulouse, à la SEDF. Et les mineurs l'utilisent pour lui donner puissance à l'explosion. Donc, on introduit soit les bâtons, soit la boule, plus les détonateurs. On les ferme bien mélangés. On les ferme bien comme ça. On l'introduit dans les trous qu'on a préparés. Et 2 minutes plus tard, boum. Une dynamite qu'ils n'ont pas fait, et juste quand la lumière s'approche, boum, on fait des explosions. Il y a des tombes dans les trous, quoi, des mineurs. Il y a quelquefois des effondrements. Voilà pourquoi, comme je vous expliquais, la mine qu'on visite, c'est une mine le plus sûre possible. Et même, je vous montrerai un système de sécurité. En résumé, comme je vous avais dit, on visite les mines les plus sûres possible. Il est plus simple. J'utilise les pioches, les pelles à l'intérieur de la mine qui travaillent. Il peut gagner 100 bolivianos, ça veut dire 10 euros par jour. Et les mineurs qui utilisent des marteaux piqueurs qui se font de la mine, qui prennent la poussière, quoi, qui vont mourir plus vite de la silicose, il peut gagner par jour 150 boliviens, c'est-à-dire 15 euros. Il sait qu'ils vont mourir plus vite, mais voilà, il gagne mieux. Il gagne mieux. En 1985, les montagnes et les mines en Bolivie ont été de l'État. En 1985, comme cette année, au début de cette année, les prix ont baissé. L'État a payé une indemnisation à tous les mineurs qui ont voulu sortir. Nous ne savons pas quoi d'autre chose à faire dans la vie. Nous ne sommes que des mineurs. Ils se sont agroupés et sont formés les coopératives actuelles. Voilà pourquoi quand je parle des mineurs, je parle de manière générale. Il y a des mineurs qui maintenant ils ont devenu une espèce de patron. Oui, tout à fait, exactement. Voilà pourquoi je parle des mineurs de manière générale. Ce sont des anciens mineurs qui se sont agroupés et qui ont formé des coopératives. C'est ça. Ok ? Bolivien ou de la dynamite, si vous voulez, vous pouvez acheter, hein, pas de souci, pas de problème, ça coûte 15 boliviens. Je ne dis pas qu'après on va sortir avec l'avion avec ça, je dis que ce soir on peut y aller à la banque, c'est possible, n'est-ce pas? Faire sauter la banque. On peut donner l'intérieur, regardez, il y a l'alcool, il y a la cendre, vous voyez la cendre ici, la cendre, et il y a les paquets de cigarettes aussi. Tout ensemble, ça fait 10 boliviens. Vous voyez? Et si vous me dites, mais les mineurs aiment bien ça? Oui, pour eux, c'est un instrument de travail. Ça. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez, 10 plus 10, ça fait 20 boliviens. Vous voyez? Qui les prend ça maintenant? Voilà, testo de nitro. Des biscuits. Des biscuits, ça fait 10 boliviens aussi s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter. Moi je vais prendre les biscuits. Votre igualito, le fresco más coquita. Le fresco más coquita pour vous reprendre. Votre igualito. S'il y a quelqu'un qui peut acheter la dynamite, c'est possible. S'il y a quelqu'un qui veut acheter des gants, c'est possible aussi. Moi je voudrais deux.